Salut, c'est Body, ça fait longtemps pour vacarme.net. Bah écoute, c'était un BO3 plutôt difficile à aborder. Il y a quand même du vécu par rapport à Fnatic et au dernier Major. Ils nous ont éliminé quand même deux fois des Majors. Cologne 2016 avec Richard et Krakow avec Kenny et Richard. Et bah c'était un match à prendre comme tous les autres. Il fallait bien rentrer dedans et le prendre le plus sérieusement possible. C'est une map qu'on a travaillée. On est rentré dedans fébrilement, je dirais. J'ai craché, putain. Il y a eu quelques petits problèmes de communication au milieu de la game et quelques petites hésitations qui nous ont coûté bah, la première écho qu'on se prend, puis des rounds derrière où il y en a qui se font tuer de dos. C'est des petits problèmes internes de communication ou quoi. Et ça se comprend parce que c'est notre premier BO3 en major ensemble. Bah, c'était pas un match facile, quoi. Et voilà, comment s'est déroulé Mirage. On a tout donné pour rester dedans et se refocus sur les deux maps d'après. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit au début de la deuxième map? C'est pas pour ça que. C'est pas pour cette première map qu'on a travaillé, qu'on a tant donné ces derniers mois, qu'on va se remettre à fond dedans et. Tous les principes qu'on a appris, qu'on a travaillé, tout ce qu'on a fait auparavant, fallait l'appliquer maintenant et se remettre vraiment dedans. Et on a réussi à se remettre dedans comme il fallait. Bah, Furia ou Tai Lu, du coup, probablement. Bah, les deux, ce sera des match-ups plus ou moins compliqués, comme on n'a pas l'habitude de voir, nous, Européens. Mais on va le préparer, on va tout appliquer comme on devrait. Et voilà. J'en dis pas plus. On reste focus et on prépare les matchs de demain comme il faut. Ah, merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir. J'ai vu que ça pouvait être compliqué par moment. Franchement, donnez tout pour nous soutenir. Il y a Vitality qui est déjà passé. On va essayer de les rejoindre et on verra demain. Mais continuez de nous soutenir et on vous en est vraiment reconnaissant. Voilà. Bisous à tous.